Eh bien bonsoir les gars, donc on est à l'événement organisé par Je joue, je partage, par Olivier à la peine sur Yvonne. Donc ça fait à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes qu'on est là. On a eu pas mal de petites touches, normalement une ou deux parties dans la soirée, test. On a beaucoup récupéré de noms et pour de futures parties. Donc voilà, écoutez, pour l'instant ça se passe bien et Rémi va vous faire un tour du salon, un peu de la table et on verra plus tard pour un petit entretien avec les deux fondateurs. Hein. Allez, à plus tard les gars. Elle te donne 3 points de victoire et un pouvoir qui est... Qu'est-ce qu'elle te donne comme pouvoir? Gagner un cœur. Ici, l'égalité parfaite. En forme. Une fois, c'est fait, on commence notre tour. Moi, je commence à alterner. Il y a quelque chose. On va savoir d'abord qui a l'unité. Donc tu vas lancer ton des 10, moi aussi. Donc je fais 10, je fais 8. Vu que j'étais l'attaquant, j'ai un plus 1 à ce jeu-là. J'ai 11 et toi tu as 8. C'est moi qui ai le premier mouvement et le premier tir de la partie. Qu'est-ce que tu fais de ce tour. Toujours, toujours. Un bon joueur triche toujours. Donc, on verra la fin, ça la fin. Là, donc là, ça nous permet d'entamer la phase de mouvement. Phase de mouvement, je vais prendre une figurine. Donc, je vais. Phase de mouvement, j'ai mon mec qui a 8 points de commandement, c'est une particularité de mon chef. Je vais dépenser 2 points, il m'en restera 6 et je vais faire bouger 2 figurines d'affilée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire moi plutôt, là, j'en fais 2. Donc je vais prendre, je vais faire. C'est incroyable comme Yann, il se cherche toujours le coin pour dire allez, c'est bon, je vais te montrer, mais tu vas pas apprécier dès le début. Tourner le dé bleu, il a mis un tout à l'heure. Hein. Normalement que je regarde. Hein. Non, non, mais alors normalement il est sur eux, il s'est trompé en plus. Là, c'est pas bon, parce que si je fais ça, tu vas m'aligner d'entrée. Tu vas m'aligner d'entrée. Donc, on va. Il y a une question de ligne de mire ou pas? Oui, il faut que tu te penches. Alors, c'est toute ta ligne de vie. Allez, on est de temps. Je suis à moins 5. C'est-à-dire que j'ai 4, je suis à moins 1. Mais je suis à 0. Donc, je lance 6 dés. Il faut que je fasse 1 et après toutes les touches de 1, je devrais faire un test sous ma caractéristique de tir. Tout ce qui sera égal ou en dessous, ça veut dire que là j'étais vraiment touché. Alors du 1, il y en a 1. Il y a énormément. Et là je dois faire 4 ou moins. C'est raté. Par contre maintenant tu fais un test de morale, c'est-à-dire que tu as 4 moins 1, 3. 3 ou 1, c'est bon. C'est attirant, il passe à 2. Okay. Et moi là, j'ai tiré. Deuxième tir, lui, il va tirer sur le rouge. Donc, moins 1. Et ouais, Yann, il essaie de se venger pour sa première victime. Là, il a mis pour la voiture. Est-ce que tu vois voiture? Voilà. Moins 2. Donc, moins 2, moins 1, moins 3.
c'est un qui me dit, il y a plus de. J'ai plus comment ils aient. Et j'ai la plus portée de l'arme, je suis à zéro. Donc sous 4 moins. 4 moins, pareil, signé, on est parti. Et je voulais donner à là, énormément. 4 moins. 1, 2, 5, 6. Et 6. Donc là, 2 touches, il est mort. C'est auto. Là, répartition des touches, 1 pouce, petit trou loin. Parce qu'il y en a 2, ça aurait pu. Il meurt. Par contre, lui, voir son trophée mourir, il a moins de 5 pouces, il va faire une casse de morale. Donc 7 moins 1, 6. 6 ou moins. Il a 5, c'est parfait. Non, non, c'est bon. 6 ou moins. Ouais, 6 ou moins. Okay, 5 ou moins. Pardon. C'est le chef, il se passe pas lui. Ouais, puis il n'aimait pas lui aussi. Et ils aiment personne, les super. Ah, t'es en rouge, c'est pas bon. Et il me reste ça. Là, je savais pas ça, hein, j'avais pas vu. Et là, allez, on va faire la grenade. Fragmentation ici. Donc, c'est lui quand même. Le rouge direction. En fait, il veut juste se venger. Il veut juste se venger. Il a joué ici avec un lance-grenade. Si, je lui ai expliqué. Rouge, la direction. Et ça, c'est la distance. Voilà. 9 de 7. Je viens là et tout ce qui est dans 5 pouces, il y a rien. Alors on reprend la petite vidéo parce qu'on arrive au début du tour 4, c'est ça? Ouais. On arrive au début du tour 4 et Yann vient de rentrer sur l'objectif. Il vient de rentrer dans le bâtiment avec son sergent. Ouais, c'est ça. Et le sergent, le chef. Le chef il est là, et le seul valable. Et il prend l'objectif. Voilà. Ici on a beaucoup de stress, 6, 5 voilà, et 5. Pas bon, on a un joueur qui n'a plus d'armes ici. Pas bon. Et en face, c'est le début du tour. Voilà. On va faire l'aide à la population. Exactement. Ouais. Ouais. Vraiment que le... Allez, vas-y, allez, vas-y. Allez, vas-y. Deux, ça fait rien. Il se passe rien, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin du peuple. La populace, les gueux. Alors, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Alors, si tu le vois, tu peux faire la... Salut les copains, alors on vient de s'inventer une règle de météo. Donc on a dit que voilà, on manque un peu de lumière sur la table. Et du coup on a dit que. Je vous montre pour la partie là de démonstration, on a inventé une règle qui s'appelle météo, c'est la tombée de la nuit. En gros, on a vu qu'il manque un peu de lumière, qu'on a un spot ici en haut. Toutes les parties dans l'ombre sur la map font un moins une pour être touchées. Donc toutes les parties à l'ombre, à l'ombre de l'arbre, à l'ombre de quelque chose, là vous le voyez bien, toutes les parties qui sont dans l'ombre comme là, ici, là, ou quoi que ce soit, ça crée un malus de 1 à la touche. Quelle figurine vas-tu jouer? Écoute, je vais être dans l'ombre. Alors on est là ce soir, pourquoi? Parce qu'on s'apprécie. Oui, on s'apprécie. Là on va dans la même direction. C'est ça, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Du coup, on a vu très rapidement qu'on avait les mêmes valeurs, qu'on véhiculait le même message avec des supports différents. Et on avait eu besoin de se structurer chacun de notre côté. Et aujourd'hui, ça nous a paru évident depuis le mois dernier qu'il fallait qu'on pose quelque chose en commun, qu'on pose quelque chose ensemble. Faire une soirée jeu permet de transmettre, créer du lien, de partager. Permettre aux gens de passer un bon moment, bien vivre ensemble, familial, avec des enfants, avec des gens qui ont envie de partager, d'échanger, qui sont ouverts d'esprit, et voilà, ce soir ça se ressent. On a plein de monde qui vient passer un bon moment et ça irait la tête autour du jeu. C'est une grande club. Ouais, c'est une belle famille. C'est une grande famille, c'est une belle énergie. Nous, la première des choses, notre premier vecteur sur Sœur de ton silence, c'est un peu la lutte contre l'isolement, créer du lien social, sans discrimination, ouvert à tous. Et justement, le jeu, après réflexion, était un très beau vecteur et un très beau support. Donc, on a de suite mis en place des actions communes qui vont faire que grandir. Hein. Ça fait un peu peur, mais ça va faire que grandir.
Oui. Et c'est vrai que au-delà de, on n'est pas seul. En fait, c'est ensemble. C'est vraiment les associations qui participent, des personnes de manière individuelle ici qui participent. Voilà, on est tous. On essaye tous de mener l'action commune qu'on a, de partager, jouer ensemble, vivre ensemble. Voilà, c'est bien. C'est ça qu'aujourd'hui, on a 8 associations partenaires en plus, qui sont là pour nous épauler, pour nous aider. Cool. On a nos enfants aussi qui nous aident. C'est la relève, c'est la relève. Ce qui est bien aussi dans cet événement, c'est qu'il y a plein de personnes de différentes origines ou différents lieux qui peuvent se réunir et devenir amis. C'est ça, c'est créer du lien. Cool. Voilà, bonne super. Soirée, et on va continuer à faire ça de manière plus grande. On a le soutien aussi de local, de la mairie, de gens qui voient que ce qu'on fait, bah, c'est sain, ça aide les gens, c'est un cercle vertueux. Donc on a un bel écosystème à défendre, on a encore de beaux projets. Sans c'est coup. Super. On est hyper heureux. Et on n'hésite pas à aider aussi les nouveaux créateurs de ces sociétés. Là-bas, ils essaient de tester des nouveaux jeux, ben on les aide, on les met en vente dans la boutique aussi. C'est une aide commune. C'est cool, c'est un cercle super vertueux. Intéressant. Et on merci beaucoup pour remercier tous les bénévoles qui sont là ce soir. Ouais, on remercie tout le monde. Voilà, sans eux, on n'est rien. Merci à tous ces gens qui nous partagent aussi les mêmes valeurs. Super, super. Merci à ceux qui ont eu l'idée aussi. Ben, merci beaucoup. Nous, c'est vrai que ça nous fait plaisir. En fait, du moment où on a lancé l'idée, eh ben, on est toujours un peu sceptique. Et quand on voit que la mayonnaise prend, je dirais, ben, forcément, on se dit on peut pas le laisser. On est obligé de continuer, on est obligé de lancer, on est obligé d'y aller. Et ça fait toujours plaisir de rassembler du monde. Super. La prochaine fois, on sera encore beaucoup plus nombreux. Je ne sais pas si on aura le temps de faire une interview avec toi. Bien sûr, bien sûr. Mais on fera un petit clin d'œil et un petit coucou. Super. Voilà, ça va. Super. Merci les gars, à toi aussi. Merci beaucoup. Ciao. Tu me dis quand c'est bon ? C'est parti, ça finit. Eh ben voilà les gars, donc je viens de terminer une partie de démo avec, je n'étais même pas Dimitri. Venu ton nom. Dimitri. Alors, très bonne partie, on a bien rigolé. Ça a été la première fois que les miliciens se retrouvaient avec un moral de folie, parce que j'ai fait partir mon chef comme il dit. Et voilà, donc maintenant je vois avec Dimitri. Dimitri, donc la partie, c'est une partie découverte, tu connaissais exactement, pas. Exactement, je ne connaissais pas du tout le jeu. Tes premiers ressentis comme ça, Cash ? Alors déjà, comme j'ai dit au tout début, j'ai adoré les figurines, c'est ce qui m'a attiré d'entrée. C'est vrai, déjà les couleurs, les formes, les différentes factions aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà j'ai été attiré par ça. La grandeur aussi des figurines. Figurines que j'ai trouvé beaucoup plus grande que d'autres jeux que je connais. Donc déjà tout ça. Après le plateau, comme on me l'a expliqué, le dimensionnement, les positions, enfin, j'ai beaucoup aimé de savoir qu'on pouvait vraiment le moduler à sa sauce et de pas trop en jouer parce qu'il fallait aussi se positionner derrière. Donc, moi j'ai joué défenseur, donc j'ai regardé surtout et j'ai laissé l'attaquant venir. Et voilà, j'ai bien aimé en fait de ne pas avoir trop de pièces autour. Voilà, c'est qu'une question de dés avec des chiffres ou quoi dessus pour répéter ou résumer la situation. Voilà, donc déjà tout ça j'ai bien aimé. Après c'était pas compliqué, honnêtement. C'est la prise à main, elle est facile. C'est une question de ligne de mire, de bien regarder. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut réagir tout de suite pendant que l'autre bouge. Voilà, ça c'est innovant. Donc, et là, bon, on a fait une partie que je pense qu'on ne pourra pas refaire. Puisque entre le jet de grenade que j'ai raté, que j'arrive à la fin et je tue le chef qui est tout en haut, c'est assez magique. Quoi. Ça c'est magique. On dirait un film. Après, si jamais tu es amené à rejouer, ouais. J'espère. Ouais, non, mais franchement, j'ai bien aimé, donc j'aimerais bien refaire une partie peut-être attaquant. Ouais. Comme j'ai compris les règles dans les. La même ou une autre faction peut-être. Ou une autre faction également. Après, là, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette faction, les différentes règles? Tu as vu, par exemple, le jet de l'aide de la population, tu as vu la banque de combat, ouais. Tu as vu un peu la protection, je t'avais expliqué par rapport au chef. Ouais. Qu'est-ce que tu as un peu pensé de ces petites règles? Je trouve que ça déséquilibre. Que pas c'est... Alors, pas du tout. Alors, après, c'est vrai que ça fait beaucoup de règles. Alors, moi, c'est que ma première, alors, en même temps, c'est normal. Mais j'ai bien aimé le côté très réaliste, en fait. Les règles. Chaque règle, elle est faite pour comprendre un côté un peu réaliste de la situation. Soit le stress, soit enrayer les armes, soit changer même d'armes, ça j'ai bien aimé aussi. Donc oui, je trouve que vous avez réfléchi à fond le jeu. Ouais, et... 7 ans le jeu, c'est ça. Je pense que non, mais honnêtement, ouais, ça se... Merci. Non, mais c'est vrai que ça se voit qu'il est vraiment réfléchi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dessus.
Et ouais, c'est le côté réaliste. Enfin, moi qui joue, j'aime beaucoup Counter-Strike, les jeux, les Call of et tout. Enfin, je suis assez joueur de jeux console. Voilà. Et j'ai bien aimé parce que je retrouve un peu cette, cette sensation que je ne retrouve pas dans le jeu, honnêtement. C'est pas pour vous vanter parce que j'ai gagné. Hein. Parce que moi, dire que j'ai gagné quand même. Parce que je voulais la glisser quelque part. Je vais pas le dire, mais chasse du putain. On va le dire. Mais voilà, non, honnêtement, moi j'ai bien envie d'en refaire une. Maintenant que je connais un peu les règles, j'ai compris les bases, de ne pas courir trop parce que je vais fatiguer le joueur pour ne pas réagir. Enfin, honnêtement, non, le jeu est hyper bien pensé. Je trouve qu'il est en phase de finale pour moi, donc il ne reste pas grand chose, honnêtement, hein, juste les pions, à voir comment elle est faite. Mais... Ben écoute, mais bravo pour ben merci. Ouais, et écoute, si tu veux refaire, pas de soucis, je prends ton nom, prénom, ton contact. Moi, je veux bien te laisser une chance. À chaque du début, quand vous n'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas. Cool.